résumé vous est présenté par FedEx. Et Turkish Airlines. Sponsor de l'UEFA Champions League. Ces fameux second ballon. Oui. Là, c'est le côté à prendre. Hein. Ils vont le prendre. Ils vont peut-être même le prendre très très bien. De Bruyne. Oula, premier rendez-vous belgo-belge. Hors jeu. Hors jeu, absolument. Mais je vais vous dire, ce côté-là, on sent que City veut aller du côté droit. Voilà, et le 1, c'était Valverde. Et le 2, c'était Camara. Oh, elle est belle. Ouf. Et pour l'instant, Courtois a eu 4 arrêts. Voilà, ici avec Vinicius. Oh, quel ballon! Et le geste, c'est Ruben Dias qui est sorti là. Quel geste défensif il a eu. Pourquoi pas, avec ce centre qui est pas mal du tout, Benzema! Il peut frapper ou pas? Il va frapper! Ouf, t'es trop collectif, Benzema. Il y a une faute de main, Marc. Il y a une faute de bras de Benzema. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas essayé de la tête? Il faudrait lui demander. On a dû le voir avant. Il faut droit. Là oui. Bien sûr. Là. Et Rodric est sur Modric. Ça passe. Oh, il a l'accélération de Kamavinga. Ah, c'est là, il ne le reverra pas. Hein. Qu'est-ce qu'il va vite. Avec Vinicius, elle est belle cette petite balle. Oh, et ça, c'est magnifique. Et ça, qu'est-ce que c'est pour un boulet de canon atomique. Mais c'est un missile brésilien qui est venu trouer cette défense de Manchester City avec une sortie de défense. Le label madrilène, l'accélération, le petit coup de patte de Modric pour Camavinga. Et le Real Madrid est en route vers la finale. Peut-être. Ah, ce flanc gauche marque ce flanc gauche offensif. Regardez comme il prend le dessus sur Silva qui est complètement dépassé. La course de Camavinga est exceptionnelle. Et le ballon qu'il donne dans la foulée, oh, c'est imparable, c'est splendide. Vous le disiez tout à l'heure, deux passes pour arriver au but. Oui. Quelle différence! Exceptionnel ce but, magnifique en plus. Il est beau du début à la fin. Camavinga, oui, Camavinga, ça reste un gamin. Ça. Oui, mais ça reste un gamin, mais c'est pour ça qu'on l'aime bien aussi. Benzema avec un appel. Regardez où est Carvajal. C'est lui qui est là avec Benzema. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Carvajal, je le répète, depuis le départ de cette mi-temps, il a complètement changé ses fonctions. Mais il est hors-jeu, il est hors-jeu de Bruyne. Il est hors-jeu. Bon, l'arrêt. L'arrêt en cours de Courtois. Mais il est hors-jeu. Mais oui, il est hors-jeu. C'est le bras, mais... Oh là là, la main. Ça revient avec Rodrigo, pas Valverde. Moment fort peut-être pour City. Grealish, Gundogan. Est-ce qu'on peut frapper De Bruyne? La voilà, tiens! Le moment fort de Kevin De Bruyne, un missile aussi. Je le répète, City est souvent là quand on ne l'attend pas. C'est QFD. C'est QFD par De Bruyne, inévitablement, qui n'est pas excellentissime, mais qui est toujours important. On va revoir ici. Ouais, non, on est déjà dans la fin de l'action. Après, là, c'est après. Comment ça se passe là ici? Gundogan. Oh, elle est belle. Il voit pas. Oh, non, il a la vue masquée là de Courtois. Absolument rien à faire, impossible. Oh, le geste et ce ballon qui prend de la puissance comme ça au fur et à mesure de sa trajectoire. Cette frappe. Flan. Fouetté de l'extérieur du pied. Quel but. Alors, Kroos.
Oh, pas mal, elle est belle. Pas mal. Superbe l'arrêt d'Ederson. Comment peut-on laisser un Benzema seul comme cela? Il force Ederson, oui, à faire un arrêt phénoménal, Tchouaméni. Ah oui. Ce résumé vous a été présenté par FedEx et Turkish Airlines, sponsor de l'UEFA Champions League.